Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai l'immense chance de recevoir l'apnéiste recordman mondial et aventurier Pierre Frolla. Bonsoir Pierre, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. C'est moi qui ai de la chance d'être là aujourd'hui. C'est très gentil. Alors, vous êtes l'auteur de 4 records du monde en apnée. Et aujourd'hui, vous parcourez le monde pour faire prendre conscience de la fragilité des fonds marins. Vous êtes né à Monaco. Vous débutez très jeune l'apnée avec votre frère en faisant de la chasse sous-marine. Comment c'est venu à vous l'apnée ? Relativement simple. Je suis né en 1975 à Monaco. Mon père, notre père, faisait partie de l'équipe monégasque de chasse sous-marine et d'apnée de 1960 à 72. Donc avec mon frère, on a baigné dans la mer, dans l'océan et dans la chasse sous-marine et le plaisir, la passion du monde sous-marin très très jeune. Alors vous étudiez à la fac des sports de Nice et puis vous rencontrez très vite votre mentor Claude Chapuis et puis d'autres apnéistes comme Loïc Leferme. Loïc Leferme, Marc Cunil, Jean-Marc Dominique, Mathilde Fouchard, Daniel Duchatelard, Claude Chapuis, Olivier Leu, qui sont effectivement les fers de lance en 1992-93 de ce que va devenir l'apnée moderne, parce qu'à l'époque, l'apnée n'existe pratiquement pas, elle est quasi anecdotique. Ce sont des gens qui s'affrontent au travers de records isolés. Et en 1996, le groupe niçois, mené par Claude Chapuis, effectivement, crée la première rencontre mondiale, le premier championnat du monde d'apnée. Et parallèlement, vous faites du judo, vous tentez même de faire les Jeux Olympiques d'Atlanta ? Oui, alors moi je fais partie de l'équipe monégasque de judo à l'époque. J'espère pouvoir faire les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et je me blesse au championnat du monde universitaire à Chicoutimi. Ce qui est frustrant d'une part, mais finalement pas plus mal pour moi, parce que je me réoriente dans une convalescence sous-marine, et ce qui va faire de moi d'abord un recordman de France d'apnée, puis d'Europe et enfin du monde, et ce qui va permettre de décoller. Vous professionnalisez, c'était en 96, j'ai lu ça. Et alors vous faites du poids variable, de l'apnée en poids variable, ça veut dire quoi ? Alors il y a plusieurs disciplines dans la plongée en apnée. J'ai 2 spécialités, la descente en poids variable, descendre avec un lest et remonter avec mes bras. Mon dernier record du monde est à 123 mètres. Et la discipline complètement opposée, l'immersion libre, où j'ai 3 records du monde dans cette discipline, où on descend strictement sans rien et on remonte strictement sans rien. Donc vous avez parlé de votre record du monde à moins 123 mètres. Une vidéo raconte ce jour-là. Oui. On la regarde de suite. C'est ici, au large de Monaco où je vis, que je tente mon nouveau record du monde. 3 minutes ! Je suis un enfant de la Grande Bleue. Je suis un pirate des abysses. 2 minutes ! Je m'appelle Pierre Frolla. C'est mon 4e record, cette fois-ci en apnée poids variable. Mais c'est aussi le dernier. Je ne le sais pas encore. 1 minute ! 45 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Comme dans tout record, il y a une part d'inconnu. Sous la surface, le monde m'appartient. Fini le bruit, fini l'agitation. Je suis désormais seul dans ma bulle d'oxygène. Les yeux fermés, je m'évade dans la lumière. Mes pensées sont comme autant de couleurs. L'eau n'est pas aussi noire que ce qu'on pense. Quand j'atteindrai 123 mètres, la pression sera de 14 kg cm carré. Et mes poumons, eux, auront la taille d'une orange. Mais je descends trop vite. Mon tympan vient d'exploser.
Il m'a fallu 1 minute 18 pour atteindre 123 mètres. Pourquoi votre tympan explose ? Parce que j'allais trop vite à ce moment-là. On avait un problème de courant et de lest sur la gueuse les deux jours précédents. Donc on a surlesté la gueuse et le tympan... Le courant s'est arrêté le jour de la tentative. Je n'ai pas pu freiner à temps et donc le tympan s'est déchiré. Et depuis ? Pardon ? Depuis ? Non, ça va très bien. Ça va mieux. En 4 semaines, ça s'est entièrement cicatrisé. Donc vous remontez à la surface et là, vous battez le record du monde. Mm-hmm. Mais pourquoi vous arrêtez après ça ? Alors, j'ai pas arrêté suite, tout de mais suite. Un peu plus... Je commençais à m'ennuyer en 2004-2005. Ça faisait un moment, d'ailleurs, on en parlait avec Loïc Leferme. On courait après les records, on s'ennuyait. C'était pas assez, finalement. On n'apportait rien à personne. On avait un vrai besoin de transmissibilité. Donc en 2005, on a réfléchi à arrêter. On a fait une espèce de grande pause. Et puis en 2006, vers la moitié de l'année 2006, ensemble, on s'est dit, tiens, et si on en faisait encore un ? Et finalement, lui va se noyer le 11 avril 2007. En entraînement ? À l'entraînement, effectivement. Et c'est ça qui, en grande partie, va mettre un fin à ma carrière. Mais vous reconvertissez dans l'enseignement. Hein, vous avez cofondé une école de plongée, l'École Bleue Académie de la Mer, qui se trouve sur la plage de la Rvoto à Monaco. Oui. Et puis, vous investissez en faveur de la cause, notamment des requins. En 2012, en plus, vous avez nagé à l'Aquarium de Paris avec tout un tas de requins. Ça ne vous a pas fait peur ? Parce que, alors, vous dites que les requins sont inoffensifs. Oui, alors... À partir de 2005, justement, quand je décide d'être beaucoup plus utile que de courir après les records, je décide de me lancer dans la cause de la protection des requins. À l'époque, 75 millions de tonnes de requins sont pêchées chaque année, ce qui est horrible. Donc on lance une campagne. Le requin est une espèce menacée et non menaçante. Et donc je vais me mettre en scène dans tous les océans du monde, en nageant avec ces animaux, aller à leur rencontre et raconter mon histoire. Lorsque j'étais tout petit, j'étais terrorisé par les requins. Je fais partie de la génération des dents de la mer. Mmh. On avait peur des requins, moi particulièrement. Et j'ai vécu un paradoxe. Vouloir être le meilleur apnéiste du monde, mais avoir peur de rencontrer un requin, animal que je n'avais jamais rencontré. Donc à partir de 2005, j'utilise plusieurs bras de levier différents, des documentaires, des films, des photos, notamment avec Grégory Lecœur, lorsqu'on se rencontre dans les années 2010, pour justement défendre la cause de la protection des requins. Et effectivement, 2012, parmi un panel de stratégies médiatiques, je plonge dans l'aquarium de Paris aux yeux d'énormément de gens et ça touche une fois de plus cette cause. Vous nagez avec toutes sortes d'animaux marins, notamment les baleines. Et alors, vous avez initié un projet magnifique qui est en cours, qui s'appelle Le Cœur de l'Océan, où vous comptez réaliser 4 expéditions dans le monde entier, sur 4 destinations. Dites-nous où et avec qui. Alors, c'est notre projet avec Grégory Lecœur. Photographe. On dit Greg Lecœur, hein, Greg pas Lecœur. Grégory. Je m'excuse, Greg. Grégory, pardon. Greg Lecœur, donc, qui est un super photographe qui est mondialement connu, qui a été nommé à deux reprises meilleur photographe du National Geographic. Donc on décide ensemble, il y a près d'un an et demi, de faire un ouvrage, un livre de 250 photos très artistiques qui mettent en scène l'homme libre, les grands animaux, dans des décors magnifiques, dans les océans. L'objectif étant de sensibiliser les gens à la beauté de la nature et à la nécessité de protéger ces grands animaux. Vous partez en Polynésie française, en Basse-Californie, prochainement à l'île Maurice et au Groenland. En Polynésie française, vous avez rencontré une baleine avec son petit, que vous avez approché. Enfin, ils se sont approchés de vous. Ça a été magique, ce moment. Le principe que l'on a avec Greg, justement, c'est de nous glisser dans l'eau et d'attendre que les animaux approchent de nous. Ce n'est pas nous qui allons vers les animaux, ce sont eux qui viennent. Et on précise que, bien sûr, vous êtes en apnée à ces moments-là. Ce jour-là, justement, enfin, pendant cette expédition, et Greg et moi étions en apnée. Alors, Greg est surtout un plongeur bouteille. Mais là, il a dû, parce qu'il est beaucoup plus simple d'approcher ou de se laisser approcher par les baleines lorsque nous n'avons pas de bouteille. Donc, il est devenu, le temps de ce tournage, qui a duré presque 5 semaines, apnéiste, très bon apnéiste d'ailleurs. Et donc l'objectif, c'est de se faire accepter par ces animaux. Et on a eu, on va dire,
plusieurs interactions très particulières avec des mères baleineaux et leurs petits. Et il y a de magnifiques images qui ont été tournées par Kevin Sempé, notre cinéaste, de cette rencontre. Une rencontre qui a été... qui a été longue à être mise en place finalement, parce qu'il faut comment montrer on fait à la maman pour qu'ils vous approchent. Alors il faut se glisser dans l'eau avec toute humilité, avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, montrer à l'animal qu'on n'est pas là pour l'attraper, lui faire peur. On doit lui montrer que finalement on n'est qu'un observateur, se faire accepter. Donc il faut beaucoup de patience. L'apnée m'a appris la patience, moi qui suis plutôt hyperactif. Et puis lorsque la maman baleino accepte que son petit vienne à nous, elle le laisse partir, et c'est là où la rencontre peut se faire. Alors, avoir des rencontres avec les baleines, c'est une chose, mais jouer avec un baleino, un bébé baleine, c'est quand même vraiment magnifique. Lors de votre voyage en Basse-Californie, là, vous avez eu l'image parfaite d'une raie-manta, de vous et deux autres animaux marins. Oui, Greg avait dans l'idée de pouvoir faire cette photo avec un apnéiste, une raie manta, des grands dauphins et un requin baleine. On est parti donc à Socorro pour pouvoir réaliser cette photo, photo qu'on a réussi à réaliser, enfin du moins Greg a réussi, moi je suis de l'autre côté. Donc, c'est magnifique, on la voit en ce moment. Il faut juste que je sois au bon moment, avec les bons animaux, il faut que les animaux nous acceptent aussi, mais on a réussi ce cliché. Le résultat de ces expéditions sera apprécié dans un livre, Le cœur de l'océan, avec toutes ces photographies. On peut suivre toutes vos aventures sur les réseaux sociaux. Oui. Il nous reste une minute, où on vous suit sur les réseaux ? Vous pouvez aller sur nos comptes Instagram respectifs, à Greg Lecoeur et à moi-même, sur les comptes Facebook, bien entendu. On fait pas mal de plateaux télé en ce moment pour faire la promotion. Sachez en tout cas que notre livre sortira fin octobre 2021. On le note tout de suite. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une excellente soirée sur Azur TV.